Bonsoir. Les systèmes éducatifs peuvent être transférés d'un pays à l'autre. En Égypte actuellement, le système finlandais est en cours d'examen. Mais en tous les cas, rien n'est plus fructueux que la motivation auprès des élèves et des enseignants. La dame que j'aimerais vous présenter aujourd'hui, c'est madame Mona Magdaleni, consultante de systèmes éducatifs et de formation. Madame Mona Magdaleni, vous êtes consultante de système éducatif et de formation. Bonjour. Bonjour, merci à vous. Nous avons de nouvelles perspectives en Égypte, de nouveaux horizons. Les responsables sont actuellement en train d'examiner de, les possibilités de transfert du système finlandais. Quoi de neuf euh, le, le, le neuf, c'est justement euh, l'importation de cette pensée finlandaise, de ce système. Euh, et l'invitation à l'Égypte de collaboration, d'adaptation, de, parce que justement, euh, la, la Finlande, en 2014, était le numéro 1 sur l'échelle PISA. Euh, actuellement, c'est le numéro 5. Donc, entre 1 et 5, c'est vraiment le top. Euh, mais d'où vient ce niveau euh, et comment ça a prouvé sa réussite c'est le résultat des élèves, à quel point les élèves se sont sentis épanouis, à quel point les élèves ont aimé l'école, à quel point les élèves se sont investis dans ce système qui n'est pas basé sur le parcours, qui n'est pas basé sur euh, les notes, qui n'est pas basé sur l'obligation, qui n'est pas basé sur, euh, sur le, le, le rapport très rigide de l'enseignant à, à, à l'apprenant. Pardon et donc qui vise euh, la découverte de la personnalité de l'élève dans les murs de l'école, euh, qui vise la découverte de, de ses compétences, le développement de nouvelles compétences. c'est un système basé sur les, les, les compétences, la découverte de soi, la créativité, euh, le plaisir d'apprendre, euh, la découverte du savoir soi-même, et euh, d'où vient le, la réussite? À votre avis, comment est-ce que ce système est susceptible d'être appliqué en Égypte? Euh, tout dépend des écoles qui vont adopter le système. Il se peut que ce soit purement importé et, et appliqué tel quel en Finlande, euh, tout comme ça peut être adapté. Parce que, et c'est adaptable, parce que si l'on parle de méthode, et c'est la méthode qui a fait. Du système, euh, cette réussite, donc c'est possible de l'adapter la, sur euh, sur les programmes. Mais l'essentiel, c'est euh, comment adapter. Parce que nous, en Égypte, on a beau essayer d'adapter depuis euh, depuis euh, une quinzaine même une vingtaine d'années, on a beau essayer d'adapter des systèmes importés, mais mais qui n'aboutissent pas, tout simplement parce que euh, on, on importe la méthode on l'adapte, on l'applique sur des programmes euh, figés et le résultat est le même. Donc euh, on, on revient de nouveau au, au programme euh, déjà, déjà appliqué. Donc euh, il, faut, il faut cette fois-ci euh, voir comment, comment importer, comment adapter, que ce soit au niveau des écoles privées ou des écoles euh, publiques. Le système finlandais a ses particularités au niveau de l'âge des élèves. L'âge d'admission en classe, c'est un âge relativement tardif. Ils ne doivent pas tenir le crayon euh, durant euh, la période maternelle car les muscles ne sont pas euh, suffisamment développés, les muscles de la main. Comment est-ce que vous allez appliquer ceci sur nos élèves Est-ce qu'ils peuvent vraiment euh, intégrer le système éducatif à un âge tardif euh, C'est problématique parce que... Moi, je, je suis née, euh, j'ai grandi dans ce système qui dit, euh, ben, on va écrire plus, tôt. quand on écrit plus tôt, on, on est plus réussi, on, bravo. Euh, donc, euh, allez, on lit euh, plus jeune, on écrit plus jeune, euh, mais. Euh, il faut voir l'évolution. Vous avez tout à fait raison, le développement des muscles ne, ne, ne permet pas cette entre guillemets, torture qu'on fait faire aux, aux élèves d'écrire très tôt. Euh, oui, elles vont, ils vont écrire, mais euh, on leur permet pas le développement physique euh, très, euh, très calme euh, qu'il faut leur, leur assurer. Euh, Est-ce que c'est est, euh, bénéfique? Enfin, y aurait-il des inconvénients? Pas du tout. Surtout que euh, l'expérience a prouvé sa réussite. Donc, euh, euh, retarder l'écriture un petit peu, retarder l'âge. Actuellement, la vérité, euh, euh, être scolarisé à l'âge de 7 ans, c'est à peu près ce qui se passe maintenant parce que l'âge d'admission dans les écoles euh, a été élevé d'un an à l'autre. Euh, il y a 10 ans, c'était trois ans et demi pour la petite section, actuellement quatre ans et demi et cinq ans. donc, pour arriver à la première primaire, ben, on dépasse. donc, l'âge, c'est déjà fait presque. Il reste, euh, il reste la méthode qui fait euh, faire aux élèves du bricolage de la découverte et pas de l'écriture. Donc c'est la maîtrise des, des doigts qui va se faire par les activités de bricolage jusqu'au point de savoir maîtriser la tenue de, du stylo, du crayon, de, de, du pinceau et ainsi de suite. Est-ce que cette méthode est applicable dans des écoles où la classe est vraiment nombreuse Ah, ça, ça non. Parce que 80, 80 élèves, 100 élèves par classe, ça ne va pas être possible parce que la méthode, elle est basée sur euh, le contact individuel dans certains moments avec l'élève ou le travail de groupe des élèves. Et dans ce cas-là, euh, le travail de groupe euh, divisé euh, par 100, ça ne va pas être possible pour un prof euh, pour suivre le, le travail, ni pour l'élève pour se sentir vu et, euh, et suivi par l'adulte. Donc euh, là, une, une trentaine d'élèves par classe, sinon vingtaine, va être, euh, être l'idéal. Ce projet ambitieux vise quel genre d'école Il faut dire que le ministère de l'Éducation et de l'Enseignement actuellement essaye de rénover euh, et déployer tous les efforts possibles pour la rénovation. Euh, donc, voyant l'expérience le, euh, japonaise appliquée depuis un an au moins, euh, on peut dire euh, très ouvertement que oui, pourquoi pas, euh, que ça vise l'enseignement le, public. L'enseignement privé, bien sûr, bien sûr ça, ça va être euh, au niveau de l'enseignement privé, tout comme il y a et c'est très réussi l'enseignement français euh, en Égypte, l'enseignement euh, anglais, l'enseignement américain, euh, l'enseignement finlandais. Euh, ça, va, ça va, suivre. Surtout que c'est vraiment en plein dans la course euh, contre le temps et pour la, la réussite internationale. Il y avait des tentatives d'application du système japonais en Égypte. Est-ce qu'en intégrant le système finlandais, euh, ceci euh, démontre ou est-il susceptible de démontrer que le système japonais n'a pas vraiment euh, abouti à sa fin euh, Je ne suis pas bien placée pour parler du système euh, japonais. Mais euh, euh, dans l'ensemble, pourquoi il faut condamner un système pour qu'un autre voit le jour euh, C'est un, un éventail éducatif euh, qu'on est en train d'ouvrir et de proposer différents systèmes euh, à la population égyptienne. Et l'éducation devient vraiment. Euh, je ne veux pas employer le mot industrie en vogue, mais je veux dire, c'est vraiment une vision euh, vu le, les effectifs. Donc, euh, les gens qui se sentent euh, plus euh, appelés par le système et la méthode américaine, y euh, vont, euh, française, finlandaise, et ainsi de suite. C'est seulement que l'on apprenne, que, que l'on se lance, que l'on prenne du plaisir, que, que l'on sache acquérir l'information, s'approprier l'information, savoir l'utiliser d'une manière euh, euh, bénéfique et pour soi et pour la société. Vous êtes consultante de système éducatif et de formation. Qu'est-ce qui a fait que vous vous êtes orientée vers ce domaine une pure coïncidence, une, une pure coïncidence vraiment, parce que euh, moi, euh, ayant fait euh, l'être française pendant la faculté, euh, j'avais en tête euh, faire le, le management et, et la gestion dans ma carrière. En, en fait, c'est comme ça que j'ai commencé ma carrière, mais euh, euh, entre deux entreprises… Euh, une coïncidence m'a menée à euh, remplacer une de mes amies euh, pendant sa, ses, euh, son congé de maternité avec, euh, avec des élèves euh, qui avaient besoin de cours d'été. Euh, J'ai cru que ce n'était que pour l'été à ce moment-là et je me suis dit ben, un service, je le rends, ce n'est pas, pas, pas euh, monstre. Euh, C'est pas monstrueux. Et un pas sur l'autre, je, je me suis trouvée dans l'invitation de commencer une année scolaire. J'étais un peu euh, résistante et j'ai dit, ben non, euh, je, je suis engagée dans d'autres entreprises, mais je ne sais pas quand exactement. Invitation sur l'autre, ben tu peux partir quand tu veux. J'ai commencé et c'est comme ça que l'enseignement a, a commencé dans ma vie euh, et c'était en 2000. Euh, à partir de ce moment, c'était vraiment un coup de cœur parce que là, j'ai découvert ce que ça veut dire avoir à faire avec, avec les êtres humains, euh, dans le travailler dans le développement humain quitter l'ordinateur, les rapports, les marchandises, la clientèle et tout ce monde de, de, de gestion, de management dans l'entreprise là où je travaillais et, et travailler dans l'interaction humaine. Après, puisque ce n'était pas un métier, donc ce n'était pas de l'administration pour moi, j'ai euh, opté pour tout ce qui était formation pour moi-même. Donc, je n'ai jamais dit non à une formation. Euh, formation interne dans l'établissement où je travaillais, de formation externe, formation académique, formation de développement humain, formation d'activité scolaire ou parascolaire. Et, et voilà, c'est comme ça que d'un pas à l'autre... Euh, euh, enseignement, euh, activité, théâtre, euh, euh, voilà, arrivant à, à la provision de, de l'école et le master, comme vous venez de dire, et donc c'était vraiment un, un pas à pas. Vous avez préparé un master sur la motivation des élèves et des professeurs. Tout d'abord, parlez-moi du choix du sujet. Pourquoi est-ce que vous avez choisi ce thème ah, euh, Pourquoi j'ai choisi le sujet Ça fait partie de mes convictions. Donc, euh, moi, dans le cercle de la famille, dans le cercle des amis, dans le cercle des sorties, de la proposition de n'importe quoi, si ce n'est vraiment pas cette palpitation, motivation, encouragement qui fait qu'on organise quelque chose, qu'on sorte, qu'on qu prenne plaisir, tout est fade. Donc, euh, 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 j'ai... Et... Avant, ça a été précédé par des années de projets scolaires, parascolaires sur le théâtre. Donc, euh, le théâtre, ce n'est pas, pas de, du programme suivi, ce n'est pas un, un, un train sur les rails de chemin de fer, mais c'est l'innovation et c'est la créativité. Et je voyais qu'est-ce qu qui faisait briller les, les yeux des élèves pendant, pendant l'année scolaire en travaillant sur le projet et jusqu'à la fin, comment la motivation faisait que on travaillait à peu près 80 heures, de, 80 heures pendant l'année scolaire pour à la fin produire un travail de, de 30 minutes devant le public. Qu'est-ce qui, qu qui fait faire aux élèves un, un travail pareil Sinon, la motivation, sinon l'ambition. Donc, c'est vraiment le climat motivationnel qui sort une énergie complètement prête, mais, mais existante, mais prête à sortir. Il s'agit seulement de lui faire appel. Donc voilà le, le pourquoi des choses. Quels sont vos outils pour motiver les élèves et les enseignants ah, bah, les outils, les outils sont variés et il faut dire que ça dépend d'un cas à l'autre. si je parle des élèves, euh, il faut d'abord donner un sens à la, au projet annoncé, à l'annonce euh, faite, euh, parce que sinon, on trouverait de, de la clientèle, entre guillemets, mais pas un, un, un effectif considérable. Donc, il faut dire le pourquoi des choses. On va faire ça, on pense faire ça, que pensez-vous si l'on fait ça euh, avec, avec le sens et l'objectif derrière. Il faut que, le, que les élèves soient conscients conscientes de la chose euh, qu'ils font. Parce que les élèves en 2019, c'est plus, plus nous quand on était élèves et le prof annonce une activité et tout le monde est, est dans le train-train de, de la préparation. Donc donner du sens à, à la chose. Euh, après, la motivation vient de qui veut faire quoi. Parce que ce n'est plus dans l'obligation, euh, toi c'est tel rôle, toi c'est tel rôle, toi non, ça ne va pas. Il faut que chacun, chacune se découvre dans ce projet et sente sa présence. De là vient la motivation et, et, et le fait de s'approprier le rôle, la tâche euh, dont il est euh, responsable. Euh, après, euh, il faut que l'élève rajoute de soi dans ce qu'il euh, qu va faire. Parce que sinon, ça va être de l'extérieur, il ne va pas se sentir impliqué. Donc l'implication, voilà encore un mot-clé à, à la motivation. Après, le respect de l'équipe de travail équipe de travail, il faut des remerciements à tout bout de champ, il faut, euh, il faut voir les obstacles avec les jeunes et voir comment les dépasser et comment aller de l'avant parce que euh, être responsable d'une tâche et la mener jusqu'au bout euh, égale être arrêté par des obstacles. Donc il ne faut pas s'appeurer des obstacles, c'est tout à fait normal, c'est dans les composantes de la vie, mais euh, une fois sur l'autre, on va apprendre comment mettre de côté un obstacle, le franchir, le dépasser, aller de l'avant, enfin éviter quelque chose. Plein de petits outils au cours de la préparation du projet jusqu'au bout. Et si j'ai encerclé ça concernant les, les élèves, je vais justement appliquer ça tel quel avec les adultes, mais avec un autre langage. Mais il faut dire que l'analyse transactionnelle est très importante dans, dans, ce, dans ce domaine de gestion d'équipe de, de travail. Parce que si le responsable, qu'il soit proviseur, qu'il soit directeur, qu'il soit chef de projet, qu'il soit enseignant en classe, qu'il soit, qu soit responsable de cycle, si son langage adopté avec son équipe de travail enseignant ou les élèves est le langage de, de parents à élèves, on va rester dans l'obligation et on va rester dans, le, dans les angoisses, dans, on, va rester, on va rester dans le « je veux, je veux pas », résistance, et, et c'est à non plus finir. Mais si on adopte le langage adulte-adulte dans l'analyse transactionnelle, et avec les adultes et avec les enfants, quel que soit leur âge, c'est réussi à 100 parce que là… On est dans la motivation, dans l'implication, dans le, dans le partage des idées, dans la prise de décision partagée et permise, dans, euh, dans l'appropriation du savoir, de l'action et, euh, et, et l'atteinte de l'objectif. Vous avez tenu une conférence à la faculté de pédagogie. Dans quelle mesure les élèves et les enseignants étaient preneurs euh, La vérité, ça a commencé par une simple invitation euh, d'un des, des docteurs, euh, professeurs de, de, de langue dans, dans le département de français euh, à la faculté de pédagogie, pour assister à la soutenance. Et. Et c'est là que euh, la, euh, la la dame elle a euh, en sortant elle a dit mais nos étudiants au sein de la euh, du départ, de la faculté en général et du département spécialement ont besoin de ça parce que ça va être leur métier plus tard donc si on, on marie euh, l'agréable à l'utile ça va être vraiment ça le, le secret de d'une réussite différente plus tard euh, donc euh, quand tu vois le fait de leur Résumer un petit peu l'expérience et leur montrer un peu comment euh, la. et surtout le, le PowerPoint de, du master, comment ça a été fait, avec grand plaisir, surtout que. Beaucoup de, de, de des étudiants qui ont assisté étaient mes élèves euh, en classe avant, donc euh, voilà la réception était était euh, était très fertile et, euh, et beaucoup de questions ont surgi et, et plein de euh, d'avis et surtout que enfin j'ai laissé une trace écrite euh, donc les euh, les diapos de du powerpoint auprès auprès de, de la présence euh, et je, enfin je continue un petit peu sur, euh, sur ma page euh, de poster de temps à autre euh, des, des notions éducatives et euh, qui concernent l'enseignement, mais dans un cadre motivationnel. Mona Magdaleni, vous avez commencé votre carrière dans le domaine des systèmes éducatifs en tant qu'enseignante dans une école parmi les écoles des religieuses et par la suite comme directrice de l'école. Dans quelle mesure ces expériences vous ont rapporté et vous ont initié à ce que vous faites à l'heure actuelle Oh, là, je, je pourrais dire à 100%, parce que si l'on parle des études du master professionnel euh, sur le terrain pendant trois pendant ou quatre ans, depuis 2012 jusqu'à 2016, euh, je veux dire que euh, le nom formel de la chose était depuis 2000 jusqu'à 2019, parce que l'expérience, elle est toujours parlante selon le contact humain. Donc, tant que j'étais en classe, euh, je, je me testais jusqu'à la dernière année. Parce que, euh, vous voyez, euh, si l'on a affaire avec euh, le, euh, la ressource humaine, il euh, n'y a pas de règle. Il n'y a pas de règle. On est, on est toutes et tous différents. Et euh, chaque année, la classe diffère. Je veux dire. Auparavant, on disait, euh, ah, la, la génération est différente, on disait ça 15 ans plus tard. Non, mais la, la génération précédente, la génération qui suit, euh, chaque 10 ans, 15 ans, 30 ans, maintenant, bah, je vous assure que la même année scolaire. Euh, entre le premier semestre et le deuxième semestre, avec une rupture de deux semaines de vacances de mi-année, deux semaines avant d'examen de, de mi-année, et une semaine de Noël, c'est-à-dire un mois peut-être d'absence de, de contact, je peux vous dire que les créatures sont complètement différentes un mois après. Donc, il ne faut pas dire, ouais, c'est ça la règle. Et euh, moi, je, ça chatouillait mon intellect, euh, ce développement humain. En même temps, si je parle des élèves, j'ai parlé des, des enseignants parce que, en parlant des enseignants, euh, c'est un autre niveau. C'est facile de convaincre la, la jeunesse, mais, mais convaincre les adultes, euh, convaincre les adultes de donner plus de leur temps, d'essayer de, quelque chose de neuf, euh, d'aller, de quitter sa zone de confort et d'aller commencer une autre euh, méthode nouvelle, méthodes actives. Je, pour laquelle je ne pourrais pas garantir la réussite de l'enseignant. Donc, cette, cette, cette partie euh, conviction était essentielle et je m'exerçais la vérité, je, je voyais jusqu'où je pouvais, pourrais aller et, et qu'est-ce qui apportait des résultats euh, une fois sur l'autre. Qu'est-ce que c'est euh, voir la réussite de l'autre et essayer d'aller, de, d'embarquer dans le train de la réussite et de l'avancement. Euh, il ne faut pas négliger la partie des parents, parce que les parents font partie de cette réussite de, de l'opération euh, pédagogique et de l'éducation. Euh, il fallait convaincre aussi les parents et, euh, et les appeler pour être de vrais partenaires. Parce que si les parents disent non pour une nouvelle méthode, une activité, un moment de plus passé à l'école, euh, ou les convaincre d'un moment qu'ils qu qu accordent avec euh, aisance à leurs enfants pour euh, un sport à, au club qui n'importe en rien à l'école, mais ça fait partie de l'opération euh, pédagogique et de l'évolution de la personne donc. Voilà, donc entre élèves, enseignants et, euh, et, et parents, plus les partenaires externes, bien sûr, de, de la vie parascolaire, euh, c'était le champ, c'était la terre fertile de l'expérience euh, qui a été, bien sûr, euh, renforcée par euh, le côté formel du master professionnel, mais qui n'a pas arrêté depuis le jour 1. Le jour zéro même euh, en été, euh, de 2000, euh, cette petite expérience de, de cours d'été jusqu'au moment de la fin. Mona Magdaleni, vous êtes consultante de système éducatif et de formation. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci à vous, très ravie. L'enseignement et l'éducation est un domaine qui est aussi vaste que l'océan, un domaine qui requiert plutôt des passionnés et pas seulement des professionnels. Merci de nous avoir suivis et à la prochaine.